Ce mardi 26 janvier, quatrième étape de cette Les Carottes 2016. Une Les Carottes qui a pris ses quartiers dans la station de Valoir pour trois étapes. Une étape qui a débuté vers 17h30, donc de nuit, avec une piste relativement dure puisque les températures sont assez fraîches. Une étape qui a été remportée par Rémi Coste devant Stéphane Lépine et Martin Dickel. Au classement général, Martin Dickel reste en tête devant Rémi Coste, mais qui a récupéré une dizaine de minutes, et Stéphane Lépine en troisième position. Ça va Ludovic, comment ça s'est passé? Ah ça va, c'est très technique comme piste. Hein. Ouais. C'est... J'ai mangé la neige deux fois. J'ai adoré la descente en escargot, c'était très sportif. À l'époque, quand j'étais bien jeune, je faisais un peu de motocross. J'ai eu l'impression de me retrouver il y a 20 ans en arrière. Quoi. Non, le pied géant. Alors Dominique, une belle histoire s'est passée ce soir entre Martine et Rémi? Oui, apparemment Martine a perdu son attelage, Rémi a ramassé Martine sur le traîneau. Ils ont récupéré l'attelage de Martine. Après, Rémi s'est sauvé. Je pense que visiblement, il lui a repris beaucoup de temps. Mais ça, c'est le mushing. Je veux dire, il y a une règle dans le mushing. Il y a un prix dans le mushing, d'ailleurs, qui est celui du bon samaritain. Et voilà, c'est des choses qui arrivent de manière très classique. Et ces gens-là s'entraident, même quand ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Donc, je trouve ça super. C'était très sympa de sa part. Il m'a emmené récupérer mon traîneau et mes chiens que j'avais perdus. Après, j'ai cassé une partie de mon traîneau. Maintenant ça va. C'était une étape un peu folle, mais les chiens vont bien. Quand je l'ai vu courir, je me mettais à sa place. Si j'avais perdu mon attelage, je serais dans tous mes états. Et la première chose à laquelle on pense dans ces cas-là, bah, c'est de récupérer l'attelage du concurrent. Ce mercredi, départ à 15h pour une étape de 39 km.